Bonjour et bienvenue les amis, les Guriens et vous qui passez par là. Merci de m'accueillir chez vous donc pour le tirage de ce lundi 26 octobre 2020. Et nous allons utiliser d'autres petits jeux aujourd'hui. J'avais envie quand même, plus pour vous que pour moi finalement, mais de changer un peu. Parce que c'est vrai que moi j'adore d'utiliser ces jeux, mais vous, et parfois vous avez, c'est normal, hein, on a envie de changer. Comme j'ai quand même beaucoup de jeux, autant en profiter. Donc, aujourd'hui, on va utiliser, il y en a évidemment l'oracle des saints, je le garde. Par contre, on va utiliser désormais, celui-là. D'un ange à l'autre, que c'est mon ami Hugues qui m'a fait découvrir d'ailleurs, d'un ange à l'autre. Et cet oracle, il y a 72 cartes, évidemment. Et ici, nous allons prendre l'oracle, l'ange qui correspond à la période actuelle, donc du jour. Ici, donc, l'ange qui régit aujourd'hui, donc nous sommes le 26, on est le 25, mais c'est pour demain. Donc du 24 au 28 octobre, c'est Veualia. Veualia, la vertu, et ça veut dire roi dominateur. Il y a les mots-clés, donc je vous lirai les mots-clés. Et il y a d'autres informations, mais qui sont, bon, voilà. Je ne vais pas en parler, j'ai juste parlé, donc, comme ça vous le saurez, donc, du 24 au 28 octobre, nous avons le 43e ange, il y a les anges, les archanges, les séraphins, machin, bazar, tout ça. Mais ici, voilà. Donc, vous saurez que si vous êtes né entre ça, entre ces dates-là, mais ça ne dépend encore des heures, hein. Donc du 24 au 28 octobre, ce sera votre ange gardien et Veualia, qui est roi dominateur et qui va nous parlera de vertu. Alors cet ange, il gouverne avec bonté. Qu'est-ce qu'il est marqué? Donc les mots-clés, gouverne avec bonté, établissement et maintien de la paix, défense des opprimés, humilité, entente professionnelle, enthousiasme, mise en échec des ennemis. Voilà, donc ça c'est ce que l'ange va nous apporter, d'accord? Donc voilà le dos des cartes, comme ça vous pouvez voir, et donc dorénavant nous allons aussi avoir notre ange. J'aurais bien voulu avoir aussi l'ange déchu qui va avec, donc ça, il faut que je le trouve. Pour avoir dire, c'est dommage qu'ils n'ont pas fait les anges déchus de la même date. Soit, je vais peut-être le trouver. Voilà, donc, et ça, donc après, donc le 28, le 29, on utilisera la carte suivante. Voilà. Alors, avec ce jeu, pour information, il y a d'autres cartes, pas livrées, mais d'autres cartes qui vous expliquent comment vous servir de cet oracle. Il y a donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Il y a 16 cartes qui est d'explication. Voilà. Hop. Nous, on va juste se servir. Donc ça, je vous mettrai le lien si je l'ai toujours. Mais sinon, voilà. On sait. Donc, alors, il est accessible de 14h à 14h19, si vous voulez lui parler, si vous avez besoin de lui demander quelque chose. Il est beaucoup plus accessible à cette heure-là. C'est toujours accessible pendant une vingtaine de minutes, les anges. Ok? Voilà. Alors, c'est une bonne boîte. Donc, notre saint du jour, on ne change pas. On va utiliser, j'ai oublié comment il s'appelle celui-ci, le self-care. Sacré, le tarot sacré, l'oracle sacré. Donc voilà, on va choisir une carte. Je vais vous montrer l'endroit quand même. Voilà, avec le mot-clé. On n'étalera pas, on va juste choisir le mot-clé. Celui-ci, ce sera juste aussi le mot-clé de la carte. C'est l'oracle des sorts enchantés. Voilà, voilà, juste le mot-clé du jour, de la carte du jour. Et puis, je vais utiliser, alors aujourd'hui je vais utiliser le tarot, le Artist Inner Vision Tarot. Donc là, il est, je vous le montre parce que je ne m'en suis pas encore servi en vidéo.
Donc il y a un magnifique pochon. Un magnifique pochon et le livre assez épais avec toutes les explications. In English, of course. Donc voilà. De toute façon, je ne remettrai pas mes cartes dedans maintenant. Donc on fait ça dans une pipe. Donc voici. Et là, ce sont chaque fois. Alors moi, ça, j'aimais pas du tout. Mais pour le coup, j'aime beaucoup. C'est chaque fois des différentes. Il y a 12 artistes, je crois, différents qui ont fait les cartes. Donc chaque, les cartes sont différentes, mais en même temps, je trouve qu'elles vont bien ensemble. Et là, je me suis dit, dans les artistes, à mon avis, j'ai pas regardé qui avait fait, mais dans les artistes qui ont créé ça, je pense qu'il n'y en avait pas qui était spécialement tarologue ou quoi. Et donc, je pense qu'on leur a expliqué ce qu'il fallait faire ressentir dans la carte. Et je pense qu'avec leurs énergies, à mon avis, ce tarot doit être puissant. C'est la première fois que je vais l'utiliser en vidéo. Alors, donc ça alors, un petit Lenormand. J'ai envie d'utiliser mon petit Lenormand que j'ai fait ici ces jours-ci. N'est-ce pas? Que je vais d'ailleurs pour moi. Voilà. Un petit carré, j'avais voulu un petit carré. Et puis, on va essayer, ça, ce sera pour l'amour et... Non, pardon, pour les 13... Je sais pas. Ouais, j'ai dit pour l'amour, on fait pour l'amour. Ça sera pour les 13 cartes. Et alors, pour le oui-non, on va utiliser celui-ci, qui est le gold... Le Under the Roses. Under the Roses. Le Normand. Voilà. Je me suis étalée beaucoup sur les... Je, parce que je ne vous les ai, il y en a que je ne vous ai jamais montré, donc voilà. Allez, on y va avec le saint du jour. Donc, nous avons, qui nous protège ici, nous avons Veualia, qui nous gouverne, et que vous pouvez, c'est le roi dominateur, ça veut dire roi dominateur en principe, et c'est votre ange gardien si vous êtes né du. Entre le 24 et le 28 octobre. Alors, youps. Nous avons ici Saint Fiacre. Saint Fiacre. Alors, F, G-H-J, F, 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 F. Saint Fiacre. Je n'ai pas encore eu le temps de faire mes ongles. Saint Fiacre, alors cette carte symbolise le travail et nous montre que l'homme doit cultiver toute œuvre, tout comme un jardinier cultive son jardin avec soin, effort et persévérance. Elle nous rappelle que nous récoltons ce que nous semons et qu'il est plus facile de semer la tempête que la paix. En divination, cette carte indique que le sujet a fort bien travaillé, qu'il n'a rien négligé, et qu'il va pouvoir récolter les fruits de ses efforts. Grosse production matérielle ou intellectuelle. La voie indiquée au niveau spirituel est une voie d'études et de culture spirituelle. Saint Fiacre est le patron des jardiniers. Donc ici, on nous dit que on a bien travaillé, on n'a rien négligé, on n'a rien oublié, on est passé à côté de rien, et donc le moment est venu de récolter les fruits de son labeur, de ses efforts. Donc là, on va vraiment commencer à récolter nos fruits, que ce soit matériel, intellectuel, peu importe, on va récolter nos fruits, ce qui est magnifique, j'y trouve. Alors, le mot, alors là, peut-être que je vais zapper un mot, donc si c'est le cas, je prendrai mon téléphone, n'est-ce pas, pour le traduire. Bon, bah écoutez, il y en a deux qui sont tombés, on va les prendre. Nous avons les affirmations positives et le plaisir.
C'est 40 et 41. C'est vrai que je ne les avais pas mélangés avant. Donc, on vous dit ici de vous aimer vous-même. On vous dit d'être heureux, de vous sentir beau, de vous sentir belle, d'avoir de la gratitude pour ce que vous êtes, pour ce que vous êtes, pour ce que vous pouvez offrir, pour ce que l'on vous offre. Vous choisissez l'amour. Vous choisissez d'être heureux, heureuse. Vous avez, voilà, vous devez vous poser, vous devez vraiment faire un travail pour que vous soyez heureux et d'être toujours dans la positive attitude, donc de toujours être positif. Donc pour être positif, il faut voir les choses positives, en positif, et pour faire ça, il faut vraiment, même si c'est très 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 difficile, il faut faire comme si on était toujours dans le positif, que c'était fait, que c'était acquis, et qu'on vit déjà dans ce positif-là. Si vous n'y arrivez pas, ça sera plus compliqué. Mais sinon, voilà, on vous dit vraiment ici, il faut vraiment le faire. Voilà, essayez vraiment d'être positif. Et puis là, nous avons les plaisirs. Alors, la signification de cette carte-là, comme je peux voir là, ben, vous la ferez vous-même. Hein, mais sinon, ça nous parlera du chakra. Donc, on va essayer d'équilibrer ces chakras. On va essayer d'être bien, de se faire plaisir à soi d'abord. Charité bien ordonnée commence par soi-même. De toute façon, à partir du moment où on est positif, on a du plaisir, quel qu'il soit, que ce soit du plaisir pour soi, que ce soit du plaisir pour les autres, que ce soit du plaisir pour soi grâce au plaisir que l'on fait aux autres. Voilà, donc c'est vraiment ici, on nous demande d'être bien avec nous-mêmes, qu'on soit bien positif, positive, pour tout simplement pouvoir partager et pouvoir faire ressentir ce bien-être à tout le monde, à tous les gens qui nous sont chers. Alors, on a une autre petite carte d'affirmation qui n'a pas, je ne pense pas, été mélangée non plus, parce que parfois, il y a des nouveaux jeux, bien évidemment, mais aussi il y a des jeux que je remets en place. Que je remets parfois. Je remets dans l'ordre. Ça dépend. Avant, je le faisais tout le temps. Là, maintenant, j'ai plus vraiment le temps. Mais donc, là, le mot-clé, ici, de cette journée, j'ai envie de dire. On va voir. Je pense que ça, ce sont des petites cartes. Bon, elles sont tombées toutes les deux, sinon j'en aurais pris qu'une. Mais des petites cartes d'intention, des petites cartes d'effort peut-être. Et là, ce sera le mot-clé. Prospérité et patience. Donc, je vous le dis, je l'ai lu. Prospérité et patience. Donc, soyez patient parce que la prospérité arrive. Donc, vous allez être connu, reconnu. Vous allez avoir ce que vous désirez. Soyez patient. Et on va prendre la guérison, voilà, on a besoin de se guérir, on a besoin de guérir quelqu'un, les autres, on a besoin de se sentir bien dans sa peau de toute façon. Alors, la forme de guérison ici, étant donné les circonstances, on ne sait jamais si on regarde la vidéo dans quelques années, on est en 2020 et on est en pleine coronavirus. Donc, guérison ici, ben, moi c'est ce que je souhaite à tous ceux qui sont évidemment touché par cette maladie. Mais pour moi, cette carte va nous dire beaucoup plus. Elle va nous parler donc de se guérir soi-même, de guérir les autres. Peut-être on peut guérir les autres en se guérissant soi-même. À partir du moment où on se guérit d'une addiction, qu'on se guérit de la personne que l'on est, d'essayer de changer, automatiquement, on va guérir les autres, parce que ceux qui nous aiment, ils sont très difficiles parfois de vivre avec nous, tout simplement parce que on a un problème, et si on va essayer de guérir, voilà. J'invente ici, on est alcoolique, évidemment, ça crée beaucoup de problèmes,
même si celui qui est alcoolique ne se rappelle pas, puisqu'il est pété et donc il ne va pas se rappeler spécialement de ce qui s'est passé. Et il ne sait pas ce qu'il fait vivre aux autres. Donc ici, la guérison, ce serait peut-être d'essayer de faire un effort pour vous soigner, puisque l'alcoolisme est une maladie. Soignez-vous pour guérir, et en même temps pour guérir et pour faire être bien avec vous d'abord, et puis avec les autres. Voilà. Wonderful, hein, tout ça, wonderful. Alors, j'ai dit quoi? J'ai dit que je prenais celui-ci. Hein. Alors, on y va pour celui-ci. Donc, pour les énergies de la journée. De ce lundi 26 octobre 2020. 26 octobre 2020. 3 de bâton et le 3 de 3 de bâton et le 3 d'épée. Le 3 de bâton, le 3 d'épée. Il y a un choix à faire, il y a des douleurs. Hein, le 3 d'épée, c'est le cœur blessé. Des douleurs de cœur, des douleurs sentimentales. Le 3 de bâton, ce que vous désirez est en train d'arriver. Alors ça peut être deux choses. Vous pouvez. Ça peut être deux choses. Positif, hein, le 3 de bâton, c'est positif. Alors l'hiérophante et le prince de. Ah oui, d'épée. Il parle peut-être pas spécialement, je sais pas, il parle peut-être pas comme le Marseille, ni peut-être comme le Rider, je ne sais pas. On y va, hop, je coupe. On a le prince de coupe et la roue de fortune. Ah, oh, waouh, ici on va avoir une très très bonne nouvelle. On est en train de recevoir une bonne nouvelle. On vient vous annoncer quelque chose par rapport à l'amour, au sentiment, en tout cas aux émotions, à la joie. Vous allez avoir une très très bonne nouvelle qui va vous émouvoir. Et en plus, ce sera vraiment de la chance. Donc, il est possible que ce soit un coup de chance ici, que vous puissiez recevoir cette nouvelle-là. Peut-être parce que vous êtes au bon endroit, au bon moment. Enfin voilà, ce sera probablement un coup de chance où la chance va enfin tourner. Et enfin, vous allez recevoir de ces nouvelles. Vous allez peut-être, il va enfin vous donner de ces nouvelles, il ou elle. On va vous donner des nouvelles parce que vous ne savez plus du tout où est cette personne. Ça peut être aussi par rapport à son enfant, ça peut être par rapport à son amoureux, à son mari, à ses parents. Hein. Donc ça peut être par rapport à beaucoup de choses, mais en tout cas c'est la chance, donc ce sera une très bonne nouvelle par rapport à l'amour. Ceci est un tirage général, hein, n'oubliez pas, c'est pas à votre tirage à vous, c'est un tirage général qui peut très bien ne pas vous parler du tout. Et c'est normal. Allez. 13 cartes. Il est magnifique ce jeu, franchement, je ne me regrette pas. 4. Je ne pense pas qu'on le voit souvent, quoique je ne regarde pas beaucoup de chaînes, moi. Mais 6, 7, 8, 9. Je ne l'ai pas vu beaucoup. 10, peut-être. 11. Et 12. Mais il n'est pas un nouveau. Hein. Il n'est pas un nouveau jeu. Alors, on y va. Si on doit recouvrir, on verra. 12 cartes. 13. J'ai pris combien de cartes? Je ne sais plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12. Attendez. Le 6 de coupe. On a ici le 6 de coupe. Donc ici, nous avons les âmes sœurs, nous avons la passion, nous avons des retrouvailles. On va voir avec le reste. Hein. Allez, je commence ici. Le roi de bâton. Alors ici, il y a des énergies de force, de puissance, de passion, de la passion ici. On brûle d'un feu intérieur. Ça nous parlera aussi donc d'une personne qui est passionnée, une personne qui peut nous apprendre des choses, une personne qui va nous donner des conseils. C'est peut-être vous aussi, hein, le roi et la reine, c'est vous, c'est nous, c'est le consultant, la consultante, que ce soit le roi ou la reine. Donc on va peut-être donner des avis, on va peut-être aider quelqu'un. En tout cas, c'est la vitalité, c'est donc la passion, c'est le chef d'entreprise, ça nous parlera donc de diriger quelque chose, de créer, de création. De créer quelque chose. En tout cas, on va trouver la force de faire quelque chose, de créer quelque chose, d'aider quelqu'un, de s'aider soi-même. On va peut-être trouver de la force. L'une des options que je vois éviter à 5 Liège, rue Pont des Avrois à Liège. Souhaitez-vous essayer ceci? Non, merci, Siri. Le thé aux étoiles. Je ne sais pas ce que c'est. Alors. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. La haute prêtresse, la papesse. Donc ici, on a beaucoup d'offres. On a beaucoup de... Je vois ici beaucoup de générosité. De la générosité, une personne qui a une certaine expérience, beaucoup de puissance. Je vois de la... Moi, ici, ça me ressemble beaucoup de puissance, beaucoup de savoir, de culture, de culture générale, mais... pas spécialement dans un truc de multiculturel, de divers peuples, de diverses nations, de diverses religions. Cette femme sait tout. Cette femme sait tout. Ouais. Ça nous parle peut-être aussi de certaines tristesses cachées pour certaines personnes. Mais ça nous pourrait aussi nous parler d'études, donc peut-être qu'on vous demande de réfléchir à certaines choses, pour certaines personnes, de reprendre des études pour pouvoir vivre de votre passion. J'ai aussi une formation, comme si on vous disait de reprendre une formation, de prendre une formation pour pouvoir vous installer, ou faire un travail sur vous, et en même temps ça va vous apprendre, suivre des cours, j'ai envie de dire, mais c'est pas ça que je pense, c'est d'aller faire un stage, ou d'aller faire un soin, et de par cela découvrir que vous avez peut-être la possibilité de le faire aussi. Vous allez peut-être vous découvrir des passions, des dons à exploiter vraiment. Et vous pourrez en faire, et ça va peut-être devenir une passion, et vous allez peut-être évoluer avec ça. Le 9 de bâton. Faites un vœu déjà, c'est la carte dont on doit faire un vœu.
Voilà. Le 9 de bâton, on a tout. On a tout ce que l'on désire. Je ne sais pas en quoi c'est écrit tout ça. Bon. Ah, c'est la même personne qui a peint ça et ça. Je regarde parce qu'il y a tellement de choses à découvrir sur cette, sur ces cartes. Ici, principe, le 9 de bâton, on arrive à... On a tout. On a tout. Et... Non. Je confonds, pardon, avec le 9 de coupe. Du tout, c'est pas du tout la même chose. Donc ici, le 9 de bâton, on est sur la défensive. Donc on est sur la défensive, on se fait... peut-être que justement, vous allez vouloir, vous voulez, je vais inventer ici, vous voulez créer une chaîne, mais vous êtes sur la défensive parce que vous ne vous sentez pas assez sûr de vous. Vous pensez que non, vous n'êtes pas capable. Vous pensez que vous ne pourriez pas, avec assurance, affirmer certaines choses, dire certaines choses, parler de certaines choses. Donc peut-être qu'on vous demande justement d'avoir confiance. On vous demande, ici on a deux personnages qui sont très très puissants et là vous êtes encore sur la défensive. Pourquoi? Pourquoi est-ce que vous êtes sur la défensive? Il faut savoir. Pourquoi êtes-vous sur la défensive? Et, en rapport, qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas à avancer ou qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas à vous exprimer? Qui est la personne qui vous empêche de vous exprimer? Peut-être qu'on ne vous a pas laissé... Ça brille un peu. Ah, j'ai disparu. Mais c'est ça. Ah ben voilà. Peut-être que... il y en a parmi vous qui vous n'osez pas aller jusqu'au bout de vos projets parce que chaque fois on vous rabaisse, on vous rabaisse, on vous rabaisse, on vous dit oui mais de toute façon t'es pas capable, tu n'y arriveras pas, de toute façon il aurait fallu faire des études, tu dis ça, tu dis n'importe quoi, ouais. Tu vas ouvrir une chaîne, qu'est-ce que tu veux qu'ils viennent te regarder, tu ressembles à rien, voilà. Si à partir du moment où vous vous dites j'ouvre ma chaîne et ma chaîne je vais avoir du monde, et je vais faire ce que j'ai envie, j'ouvre ma chaîne, peu importe, j'ouvre ma boutique, je sais que ma boutique va marcher, votre boutique, elle marchera. Donc, il faut avoir confiance en vous, et arrêter d'être sur la défensive. Laissez dire les gens. Laissez dire les gens, parce que de toute façon, ça ne sert à rien. Attention, ça ne sert à rien dans ce sens-là. Hein. Maintenant, soyez sur la défensive, oui. À partir du moment où, si vous êtes dans une... de toute façon, il faut... Moi, je suis personnellement toujours aussi sur la défensive, dans ce sens où je n'ai confiance en personne, malheureusement. Très rare. Je suis jamais déçue en même temps. Même si j'ai quand même été déçue, mais... Parce que j'avais quand même confiance, mais en fin de compte, je me doutais. On est toujours déçu des gens. C'est rare, du contraire. On est toujours déçu des gens. Bon, parfois beaucoup plus tard, mais moi je trouve qu'on est toujours déçu des gens parce qu'en fait on croit que les gens ils sont comme nous et puis ils ne sont pas comme nous. C'est mon idée, attention, c'est mon idée, je ne demande à personne de me croire. Alors, nous avons le 4 de... Le 4... L'épée ? Mais non, qu'est-ce que je raconte ? C'est quoi ça ? J'ai un trou. Bon. Le denier, alors. Les swords. Oh là 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 là, ça c'est incroyable. Oui, ce sont les deniers, le 4 de denier. Bah oui. Donc, le 4 de denier, ici. Qu'est-ce que tu veux que ce soit d'où ?
Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, quand j'ai vu cette carte-là la première fois, je ne sais pas, qu'est-ce que vous voyez, vous? Moi, ça m'a choqué profondément. Donc, pour moi, c'est un trompe-l'œil. Pas un trompe-l'œil, mais enfin, c'est un double dessin. Soit, si vous voyez ce que moi, j'ai vu, ben, mon élève, mais tout le monde ne voit pas de la même manière. Enfin, moi, j'ai vu deux fesses. Et voilà. C'est ce que j'ai vu en premier, en fait. Et alors que, bon, il pourrait s'agir ici d'un arbre et des fœtus qui sont dans les quatre poches. Qui va nous parler ici, moi je pense que ça va nous parler de... peut-être justement dans ces circonstances-ci, on va faire attention à mettre des choses de côté. Alors, de l'argent, peut-être, ou des choses qui sont précieuses. Donc, on va, pour pouvoir évoluer, il nous faut peut-être avoir... quelque chose en réserve, j'ai envie de dire. Quelque chose en réserve. Et ces choses en réserve, on ne les a pas. Ou on en a très peu. Donc, il faut peut-être être sur la défensive pour arriver à ne plus donner. Pour arriver à pouvoir dire non. Peut-être que vous avez besoin d'argent pour commencer à déménager ou pour donner... un acompte ou pour donner comment est-ce qu'on dit quand on loue vous savez allez, une caution peut-être et vous ne savez pas le faire parce que chaque fois ben, vous donnez votre argent ben non il faut pas faire ça ça veut dire que oui soyez un peu égoïste mais c'est pour vous c'est pour ici en étant égoïste on prépare quelque chose. Vous voyez, ici, il y a les quatre fœtus, donc on prépare quelque chose. Il y a quelque chose qui va naître hors de ce que l'on garde précieusement, de ce que l'on économise. Ça peut être, ne pas être autre chose que de l'argent, bien sûr. Ça peut être son temps, ça peut être ses mots, ses paroles, ses phrases. On a décidé de ne plus faire des remarques parce que de toute façon, ça ne sert à rien. Voilà. On a décidé de ne plus se prendre la tête parce que ça ne sert à rien non plus. Voilà, donc ça peut être des choses comme ça. Ah, ouh, on a notre ermite, mon ermite, le scarabée. Voilà, l'ermite. Spécial. C'est marrant parce que c'est le cycle de l'oscarabéo, est-ce que ce serait lui qui... Je sais pas si c'est lui. Yougoslavie. Yougoslavie, je vois. Je sais pas. Il faudrait. C'est vraiment le scarabée, là. Non. Enfin. Je sais pas. C'est signé Tracy. Voilà. Pour moi, ici. Alors, soit vous êtes arrivé à un stade où vous savez tout, ou vous arrivez à un stade où vous devez vous lancer, où vous devez avancer tout seul. C'est le moment, c'est maintenant. Il faut avancer tout seul. Il faut lâcher prise. Il faut partir avec ce que l'on vous a appris. Il faut partir avec peut-être le peu que vous avez. Il faut peut-être vous isoler pour qu'on ne vous prenne pas ce que vous avez. Il faut peut-être vous isoler pour que vous ne dévoiliez pas quelque chose avant que ce soit le bon moment. En tout cas, il y a une raison. Ici, il y a une raison. À mon avis, ici, vous devez
peut-être pour ne pas toujours être sur la défensive et avoir des prises de tête, parce qu'il y a des gens qui vont vous ennuyer, vous avez décidé peut-être de ne plus rien dire à personne de ce que vous avez ou de ce que vous avez dans la tête et de jouer les ermites. Ou alors, vous allez peut-être ici mener les gens. Donc, moi, j'ai une vision autre de l'ermite, mais... vous allez peut-être être apte à prendre des décisions, de pouvoir mener certaines personnes, de pouvoir guider, de pouvoir diriger certaines personnes. Vous allez être peut-être dans le pouvoir. Ça veut dire que vous allez peut-être créer quelque chose avec pour faire des retraites, pour faire des soins. Vous allez peut-être même devenir coach de vie, par exemple. C'est vraiment, les gens aiment beaucoup. Et vous allez pouvoir vous lancer. Vous allez pouvoir marcher tout seul. Mais l'ermite a toi-même toujours, toujours son bâton et sa lumière. Normalement, là, il l'a pas. Mais bon. On a le 8 d'épée. Alors, ici, vous devez bien vous dire que vous êtes probablement en train de sortir de ces idées où vous ne pouvez pas avancer, c'est pas pour vous, vous ne saurez jamais le faire, vous êtes bloqué, c'est une idée de blocage, c'est un blocage inconscient, c'est un blocage irréel. Vous pouvez très bien vous lever et avancer, il n'y a rien qui vous en empêche, sauf votre mental. Donc ici, vous voyez, vous êtes couché, je disparais tout le temps, arrêtez d'être couché, levez-vous et faites comme le funambule ici, avancez. D'ailleurs, on peut voir que pour moi, le fil, il est même peint au-dessus des épées, il est peut-être plus en avant, peut-être, non? Mais de toute façon, si vous tombez, vous ne tombez pas sur les épées. Vous ne tomberez pas sur les épées. Tant qu'il faut vous dire que vous pouvez y aller maintenant. Go, on y va. Enfin, il faut quand même la peine, ça vaut quand même la peine d'étudier un petit peu plus ces cartes. Mais là, il faut vraiment y aller. On voit bien même les nuages qui s'écartent de vous, là. Ils s'écartent. Tout autour de vous, les nuages s'écartent, donc... Le prince d'épée. En fait, j'ai pas regardé si c'est les rois et... Si c'est la reine et le prince... Non, le chevalier. C'est pas grave. De toute façon, je le fais à mon interprétation. Alors ici, de toute façon, vous allez... probablement recevoir un message qui va un peu vous blesser. Qu'est-ce que j'ai eu moi ici? C'est le roi, donc c'est pas le roi, ok. Donc, vous allez ici... recevoir un message qui pourrait vous blesser ou dire à quelqu'un quelque chose qui va le blesser ou la blesser. C'est possible. C'est quelque chose qui va être utile, c'est quelque chose qui va vous faire grandir, c'est quelque chose qui va vous faire avancer dans la vie. C'est vraiment ici le message que vous allez recevoir ou le message que vous allez faire parvenir sera quelque chose de nécessaire pour pouvoir avancer, pour pouvoir monter les escaliers et trouver la clé pour pouvoir ouvrir. Je pense que ce que vous avez en main là, les outils que vous avez en main aujourd'hui, peuvent vous suffire pour vous faire avancer, sont suffisants pour vous faire avancer. Vous n'avez pas spécialement besoin de la clé. Là, vous avez la chance d'avoir cette épée
qui peut faire office de clé pour moi. Il va vous, cette épée va vous ouvrir toutes les portes. Mais en tout cas, c'est aussi l'épée. Enfin, cette carte-là va nous parler peut-être de mots. Parce que j'ai pas une lettre aussi. J'ai vu une lettre, non? C'est des oblitérations. Oblitérations. Que je vois. Donc, on voit bien qu'il y a eu des messages, que ça a été posté. Ouais. Donc, il y a des messages à faire passer et à recevoir. Ici, ça me parlera de plusieurs nationalités aussi. Différentes nationalités. Donc, peut-être un message un peu poignant de par... de par son contenu, mais son contenu qui va être un peu piquant. Alors si c'est moi qui remonte tout le temps la carte, j'en sais rien, mais je deviens... chaque fois je la rabaisse, hein, pourquoi je la remonte? Je ne sais pas. Alors, nous avons tempérance. Tempérance. Donc ici, on trouve la sérénité, on trouve le calme, la paix, on fait ce que l'on aime faire, on ne se préoccupe plus de rien. On est dans la sérénité, dans la plénitude. On aide aussi quelqu'un à se poser. Moi ici, je pense aussi qu'on peut faire un travail sur soi, un travail sur quelqu'un d'autre, mais attention, positif, et avec ça. Sa bénédiction. Parce que même un travail qui pour vous sera positif sur une personne pourrait être négatif pour elle. Attention. Et ça vous retombe dessus. Donc, voilà, ça va me parler d'art ici, tempérance. Oui, ça va me parler d'art, ça va me dire fais ce que tu dois faire, fais ce que tu as envie de faire. N'hésite plus, fonce, c'est le moment. C'est le moment. Tu vas vers la... Enfin, ici, vraiment, vous allez vers la sérénité. Ne tenez pas compte si des gens vous insultent. N'en tenez pas compte du tout. Vous insultent, j'ai pris ce mot-là, mais bon, voilà. Si on vous... On va peut-être essayer de vous abaisser, on va essayer de vous mettre des bâtons dans les roues, parce que jalousie, parce que si vous y arrivez, vous allez devenir quelqu'un, vous allez avoir une certaine popularité, vous allez avoir une certaine importance, et il y en a qui ne veulent pas que ça arrive, parce que jalousie tout simplement, et donc il faut quand même faire ce que vous avez envie de faire. Et vous serez protégé aussi. Nous avons les amoureux ici. Alors, il y a un choix à faire aussi. Ah, oula, il y en a plusieurs. Donc là, il y a un choix à faire. Ici, ce personnage, il doit faire choix entre trois personnes. Donc, pour moi, il y aura aussi un choix que vous allez devoir faire. Concernant l'amour, ou pas. Moi, je pense que ce sera un choix concernant des décisions pour avancer tout seul. Donc, un choix, vous allez devoir faire un choix pour pouvoir prouver, pas prouver, vous allez devoir faire un choix de pouvoir dire à certaines personnes, laisse-moi faire ce que j'ai envie de faire. Si je me casse la gueule, je me casse la gueule. Mais au moins, je ne regretterai pas de ne pas avoir essayé. Et il faut vraiment faire ça. Parce que vous n'allez pas vous casser la gueule. Alors, j'ai pas dit surtout, je ne vous dis pas, ce n'est sûrement pas un tirage, ce n'est pas du tout un tirage privé. Donc, ce que je dis là, ça peut ne pas être vrai pour tout le monde, évidemment. Donc, n'allez pas user tous vos sous pour faire quelque chose, parce que sous prétexte qu'on a dit que le truc était, que ça allait fonctionner. Hein, non. Ici, c'est un tirage général. Mais j'ai envie de dire que ayez confiance en vous. Nous avons le 4. Ben non, c'était quoi alors celui-là? Ben non, c'est le... Ben alors, je comprends pas.
Ben non, c'était les épées, pourtant on dirait des deniers. Ok, avec les enfants là. Là j'ai le 4 de denier, donc bah, ça revient au même. 4 de denier et le 4 de. On dirait pas des épées, avouez. Hein. On sent bien que soit ça c'était. Pourquoi j'ai dit denier, les coins les... Ben oui, c'est les coins, les deniers. Pourquoi j'ai dit denier? Je ne sais pas, ça ne me parle pas du tout d'épée, ce dessin. Donc je vais rester avec ce que j'ai dit à propos de ce dessin. Je vais rester avec ce que j'ai dit. Donc ici, il y a quand même des choses qui vont. Il y a quand même des choses qui vont évoluer, naître. De toute façon, le 4 d'épée, ça va nous parler de fatigue. Voilà, de repos. Voilà, on n'a qu'à prendre du repos. Voilà, ça n'est pas beaucoup. Et non, nous avons de nouveau le 4 de denier ici, qui nous dit encore une fois de faire attention, de ne pas user tous ses sous, mais de ne pas non plus être trop radin. Donc il faut être juste. Mais n'oubliez pas que charité bien ordonnée commence par soi-même et que si vous n'êtes pas bien, que ce soit dans n'importe quel domaine, vous ne saurez jamais, jamais, jamais aider les autres. Que ce soit vos enfants, que ce soit vos parents, il faut être bien vous d'abord. Les autres après, s'il reste quelque chose. Non, mais c'est vrai, il faut d'abord être bien à vous, parce que sinon vous ne ferez jamais rien de bon. Voilà. Et puis j'ai tout retourné. Ah non. Ah non. Ok, je le bien. Alors nous avons le 3 de bâton. Ben, ce que vous attendez est en train d'arriver. Ce que vous attendez est en train d'arriver. Voilà. Ce que vous attendez est en train d'arriver. Est-ce que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, ça? Non. Ou on l'a eu tout à l'heure, je ne me souviens plus. En tout cas, ici, oui. Là, ce que vous attendez est en train d'arriver. Ce que vous avez planifié est en train d'arriver. Et enfin, c'est bien. Ah non, il y en a encore une. Le monde, waouh, ben voilà. Ce que vous attendez est en train d'arriver et ce sera. Là, le monde, c'est la perfection, c'est l'aboutissement total. Aboutissement total et général. Donc, voilà. Et alors, la dernière. Le 3. Ah oui, on l'a eu tout à l'heure, celui-là. Le 3 de d'épée. Alors oui, donc voilà, à mon avis, ce que vous allez faire, ce que vous allez décider est en train d'arriver. Et il y aura peut-être des personnes qui vont avoir le cœur blessé. Alors soit ça va blesser certaines personnes, tant pis, tant pis. Il faut parfois, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Donc tant pis, s'il y a des personnes qui sont tristes, on ne peut pas non plus nous sacrifier toute notre vie pour que des gens, des personnes que l'on aime, certes, mais ne soient pas malheureuses, parce que c'est nous qui allons être malheureux tout le temps, tandis que eux, ils seront malheureux qu'un tout petit peu. Et puis après, ils ne seront plus malheureux. Voilà. Mais ce qui importe ici, de toute façon, c'est le monde. Donc on a le monde, donc on arrive à ce que l'on désire, vraiment, peut-être au détriment de cœur blessé. Moi, je pense aussi que tout ce parcours-là que vous allez faire, vous allez arriver à ce que vous désirez, qui est ici l'apothéose, et peut-être que justement, votre cœur ne sera plus blessé, il sera guéri. Voilà. J'étais très longue, donc voilà. Je crois que c'est. Ces cartes, elles sont absolument riches, riches, riches. Mais bon, il faut quand même regarder, parce que quand les gens, évidemment, si on vous dit un 3 d'épée, un 4 d'épée, ça veut dire que c'était pas. Enfin, 4 d'épée, ça ressemble plutôt aux cartes de Coins. De Coins. 4 d'épée, ça ressemble pas vraiment à 4 d'épée. Si? C'est pour ça que j'ai été influencée. Mais de toute façon, si je l'ai dit, c'est que je devais le dire. Mais enfin, de toute façon. Voilà. Alors,
Ah oui, l'amour. Mon amour poursuit. Oh, on a l'argent et on a le mariage. Alors ici, on a alors des dépenses pour un mariage. Je crois que c'est comme ça. On a des dépenses pour un mariage. On a un mariage d'argent. On a aussi un mariage avec une personne qui nous protégera. Il y a une personne qui nous protège, qui sera, qui fait partie donc de cette aventure de mariage, une union aussi financière, une union peut-être professionnelle, une union professionnelle, une union financière. Bah écoutez, j'ai trois cartes pour les trois tas, donc on va les prendre. On a la clé, l'arbre et le cheval, le cavalier, la clé, l'arbre. Et le cavalier. Alors, ici, on trouve la solution, on trouve quelque chose, une solution par rapport. Alors, une guérison, la guérison de quelqu'un que l'on connaît. On a ici, on va avoir, on va savoir, on va apprendre, on va avoir des nouvelles d'une personne qui pour moi est guéri. Ouais. On va trouver une solution concernant un problème de santé. On va à recevoir des nouvelles de notre santé. Non. Ouais. Mais normalement, elle devrait être bonne. Une personne du passé peut-être viendra vous donner une certaine solution. Une personne du passé. Une personne du passé va venir vous donner. Vous allez trouver la solution grâce à quelqu'un du passé. En tout cas, ici, ça nous parle de réussite, de chance, d'issue, de solution. De succès. Un amour, puisque c'est pour l'amour, peut-être que c'est une personne du passé qui revient vers vous. Une personne du passé qui pourrait revenir vers vous pour enfin, alors peut-être vous donner des réponses. Vous allez peut-être avoir des réponses par rapport à une personne du passé. Des réponses. Vous attendez des réponses et vous allez les recevoir. Ou vous allez donner. Les réponses que vous allez recevoir vont vous satisfaire. Ce que vous allez savoir, apprendre, faire savoir, sera quelque chose de sain pour qu'on puisse avancer dans sa vie amoureuse. Bien mieux. Vous allez prendre une décision concernant quelqu'un du passé qui sera une bonne décision, qui sera une décision saine.
Vous allez peut-être donner des conseils à quelqu'un du passé. De bons conseils. Vous. Voilà. Voilà pour ce qui est de l'amour, les amis. Oh, regardez comme c'est mimi. On a le cœur. Donc, on a l'amour. Hein? Eh oui. Bon, on fait le oui-non. On va faire le oui ou le non. Le oui ou le non. Donc posez votre question fermée qui demande un oui ou un non. J'ai le vaisseau et j'ai l'ours, donc il faut l'anneau pour le oui et il faut la croix pour le non. Allez, 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ben 13, j'ai arrêté, donc là vous arrêtez si vous voulez, et 14, là j'ai la croix, donc c'est non. Et le cœur il est ici, mais je voulais, c'était l'anneau. L'anneau. Ah bah elle était juste après. Voilà. On voit plutôt la rose que l'anneau, n'est-ce pas? C'est pour ça que parfois, pour commencer, il faut prendre des jeux où on voit vraiment bien ce dont on parle. Mais c'est l'anneau. Voilà. Donc non, c'est non, hein, les amis. Là. C'est non pour ceux qui veulent continuer après 13 cartes. Voilà. Décidément, aujourd'hui, le 13, il veut pas. Je m'arrête au 12. Il y a une raison. Il faut que je me psychanalyse. Bon, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite bonne santé. Je vous dis de sortir couvert. Parce que vraiment, il le faut. C'est vraiment important. Et puis, d'être positif. Bisous, bisous.